Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on va parler de l'Afrique dans sa dimension actuelle. Sa dimension actuelle est beaucoup de mouvements dans le Sahel, beaucoup de mouvements au Congo où des élections se sont tenues. On continue encore à parler de ces élections, mais on évoquera aussi la Cour pénale internationale qui vient de condamner Charles Talon. Ça nous permet de parler de cette Cour pénale internationale, de ses relations avec les dirigeants africains. Mais avant tout cela, on va parler d'un livre qui vient de paraître aux éditions... Aux éditions quoi? Les Nègres Éditeurs. Les Nègres Éditeurs. Oui. Ça, c'est un nom évocateur. Alors, les éditions, les Nègres Éditeurs, c'est le Canada dans les guerres en Afrique centrale. C'est le livre est de Patrick Mbeko, qui est un... commentateur de l'actualité africaine. Analyste, si tu veux. Non, analyste, commentateur, tout ça, ça compte. Hein? Oui. Bon, voilà. Donc, ce sera avec Patrick Mbeko donc, pour ce livre, Le Canada dans les guerres en Afrique centrale, et surtout, on parlera du Congo, du Rwanda, la région de Grand Lac globalement. Bon, alors, Patrick Mbeko, bonjour. Bonjour, Vénon. Quand on lit ce livre qui est quand même assez volumineux, je préviens tous ceux qui vont s'intéresser à ce livre-là, il compte 556 pages. Ça, c'est la première version parce qu'il y a une version complétée qui compte 690 pages. 690 pages. Oui. Toujours le Canada dans les guerres en Afrique centrale. Oui. Génocide et pillage de ressources minières du Congo par le Rwanda interposé. Alors, dis-moi, pourquoi vous avez écrit ce livre? Parce que vous êtes Congolais? Non seulement parce que je suis Congolais, mais c'était aussi pour la dignité des Africains. C'est-à-dire qu'il était temps que les Africains commencent à raconter leur histoire. D'ailleurs, si j'ai écrit ce livre, c'est vraiment parce que j'en avais marre d'entendre dans les médias, d'entendre des pseudo-spécialistes nous parler de l'histoire de notre pays de manière assez tronquée. Mais quand même, il y a... deux personnes, c'est pas des Africains, je suppose, la préface de Kent Harmon Snow et la postface de Christopher Black. Pourquoi? Ce sont des gens qui s'intéressent beaucoup, qui sont beaucoup intéressés à la question des Grands Lacs. Kent Harmon Snow est un journaliste américain qui s'est rendu à plusieurs reprises au Congo, au péril de sa vie. Il a été arrêté d'ailleurs à plusieurs reprises par les troupes rwandaises et même... congolaise, et même la mission des Nations Unies à l'époque, on l'appelait la MONUC. Et Maître Christopher Black, c'est quelqu'un qui est un avocat de calibre international qui a défendu le général Augustin Dindili Mayana. Et donc, ce sont des personnes qui s'intéressent beaucoup à la question des Grands Lacs, ce sont des grands amis de l'Afrique, et particulièrement Maître Christopher Black, qui est, je dois le dire ici, très détesté du gouvernement rwandais. Maintenant, effectivement, quand on lit votre livre, d'abord commençons par... On constate beaucoup de choses, hein, mais commençons par le Canada. Oui. On constate que vous attribuez une très grande place au Canada dans ce qui s'est passé au Rwanda, le génocide rwandais. Oui, j'attribue... je ne fais que relater les faits. C'est-à-dire que plusieurs livres d'histoire, plusieurs rapports ont souvent... détailler l'implication américaine, belge, française dans la tragédie des Grands Lacs. Donc peu de livres se sont intéressés à la question canadienne. Étant quand même, citoyen de ce pays, c'est-à-dire c'est notre deuxième patrie, ayant vu de l'intérieur certains agissements, je me suis dit qu'il était quand même temps pour... il était temps d'explorer quand même la piste canadienne. Et bien entendu, La piste canadienne, vous accusez l'officier canadien rwandais, l'officier canadien Roméo Dallaire, qui dirigeait les forces de l'ONU sur place, d'être impliqué au même niveau que Paul Kagame à ce génocide. Expliquez-nous ça. Oui, comme je disais tantôt, je n'ai fait que constater des faits. J'ai quand même eu accès à plusieurs documents des Nations Unies déclassifiés. J'ai discuté avec des acteurs importants qui étaient impliqués dans la crise rwandaise et j'ai pu analyser un certain nombre de documents et surtout d'ailleurs le livre de Roméo Dallaire lui-même, parce qu'il fait des aveux quand même inquiétants dans son livre qui montrent quand même qu'il n'était pas neutre. Je tiens à rappeler ici que Roméo Dallaire a été choisi
sur recommandation américaine. Ça, c'est très important qu'on le sache, même s'il était... Mais en général, le Canada, les Américains et le Canadien, ils font travail ensemble. Mais effectivement, et d'ailleurs, son rôle au Rwanda n'était pas Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Non, mais le général Dallaire a aidé Paul Kagame à prendre le pouvoir. C'est aussi clair que ça. Mais la mission des Nations Unies a non seulement participé à la guerre contre les forces armées rwandaises quand le président Birman a été assassiné, mais des officiers de l'armée de Paul Kagame ont été surpris dans le bureau de Roméo Dallaire en train de se faire expliquer la carte de l'état-major des phares dans l'arrière-pays. Dans le livre, excusez-moi, je reproduis d'ailleurs le rapport de fin de mission d'un officier, le commandant de l'armée du Bangladesh, qui était là, du contingent du Bangladesh, qui dit carrément que les militaires du Bangladesh, nous ne savions pas que nous étions venus au Rwanda pour aider le FPR à prendre le pouvoir. Oui, mais est-ce que les troupes loyalistes, si on veut dire ainsi, n'ont pas provoqué un peu les forces des Nations Unies? On se souvient quand même que dès la mort, l'annonce de la mort du général Habyarimana, et des 10 soldats belges ont été tués par des forces armées. Non, mais il faut d'abord comprendre le contexte qui va mener à l'assassinat des casques bleus belges. Parce que ces casques bleus étaient accusés d'avoir participé à l'assassinat contre le président Habyarimana. Ça, c'est très important. Ce qui n'était pas tout à fait vrai. Non, mais il y a beaucoup d'indices qui tendent à confirmer que les Belges étaient impliqués d'une certaine manière. Je tiens à rappeler ici que la commission d'enquête, la commission sénatoriale belge sur les événements du Rwanda, jusqu'à aujourd'hui, n'arrive pas à mettre le doigt ou à traiter de cette question de l'implication des casques bleus belges dans les graves allégations qui pèsent contre leurs militaires dans l'assassinat du président Habyarimana. Mais là n'est pas la question. C'est-à-dire que la mission d'un certain groupe d'officiers de l'ONU au Rwanda était connue bien avant l'assassinat du président Habyarimana, au point d'ailleurs que le peuple rwandais avait un problème avec la mission des Nations Unies, entre autres le contingent belge. Et je tiens à dire quand même... Est-ce que ce n'était pas de la propagande que faisait le gouvernement en place? Pas du tout. Mais comme je vous dis, c'est clair. C'est-à-dire, il y a un officier qui est du Bangladesh, un colonel de l'armée du Bangladesh, du contingent du Bangladesh, qui dit clairement que nous, on ne savait pas, nous, les militaires du Bangladesh, nous ne savions pas que nous étions allés au Rwanda pour aider le FPR à prendre le pouvoir. Et il dit même que le général Dallaire a permis aux hommes de Kagame de s'installer dans les bureaux de l'ONU pour combattre les FARC. Et j'ai eu des documents comme quoi, par exemple, que les voitures de l'ONU avait servi à transporter les troupes de Kagame. C'est aussi clair que ça. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui disent clairement que oui, la MINUAR était allée au Rwanda pour aider Kagame à prendre le pouvoir. Je cite ici le major Potvin de l'armée belge qui dit « Nous étions allés là-bas pour aider le FPR à prendre le pouvoir. » Bon, alors, vous nous dites que si les deux soldats belges ont été tués... Les 10 soldats belges. D'ailleurs, on parle de 10, mais c'est 13 soldats belges qui ont été tués. Pourquoi les 3 autres ont été cachés depuis longtemps? Non, mais ça c'est un autre problème. C'est-à-dire, quand vous lisez, par exemple, le rapport de l'état-major belge, à la veille, on vous dit qu'il y avait 3 militaires belges qui avaient été capturés par les FARC, bien avant qu'on nous parle des 10 autres soldats tués. C'est-à-dire que la Belgique même, les autorités militaires et politiques belges entretiennent un flou autour de cette histoire. Alors, si les Belges n'ont rien à se reprocher, ils peuvent quand même mener des enquêtes pour essayer de trouver les coupables et pourquoi est-ce que tout cela s'est passé. Je peux dire que quand on lit Philippe Reitschens, 3 jours qui ont fait basculer l'histoire, le Rwanda. Alors, il dit effectivement que Roméo Dallaire, qui était arrivé à la réunion des officiers militaires le lendemain de l'assassinat du président Habyarimana, c'est-à-dire le 7 avril, en journée, il avait des attitudes bizarres. Mais je dis clairement que quand le général Roméo Dallaire arrive à l'état-major des phares lors de la réunion, la réunion d'urgence qui a suivi la mort du président Habyarimana, le général Roméo Dallaire se rend compte que des troupes belges sont en train de se faire amocher par les soldats des FARC. Mais il ne fera rien pour leur venir en aide. Et d'ailleurs, la commission sénatoriale belge pose beaucoup de questions à ce sujet. On s'est demandé, mais pourquoi Roméo Dallaire n'a rien fait? Et même quand il est rentré à l'intérieur,
alors qu'il était en face des officiers, des phares qui pouvaient quand même appeler leurs troupes à la retenue, Roméo Dallaire n'a pas soulevé cette question. Mais justement, j'ai parlé avec un colonel rwandais qui était des phares, qui témoignait au tribunal, non pas au tribunal, tribunal avec les enquêteurs du tribunal rwandais. Là. Mmh. Alors, il affirme qu'effectivement, il a pris part à cette réunion le lendemain, le 7. Et au moment où Dallaire était avec eux, ils ne savaient pas que leurs troupes avaient attaqué des éléments de l'ONU à la résidence de la première ministre. Et le général Dallaire n'a rien soulevé. Il n'a pas soulevé ces questions. Oui. D'ailleurs, dans mon livre, je reproduis les pièces du procès. Pourquoi cette attitude? C'est ce que je veux savoir. Mais pourquoi c'est parce Dallaire que, arrive... j'explique dans le livre aussi cette attitude, c'est parce que ces casques bleus étaient accusés d'avoir participé à l'assassinat du président Biarimana. Et donc, Dallaire, en les laissant mourir, c'était une façon pour Dallaire de se débarrasser des témoins gênants, c'est-à-dire des acteurs, des gens qui étaient au fait de la situation qui venait de se passer, c'est-à-dire l'assassinat du président Biarimana, qui, doit-on le rappeler, est considéré par les Nations Unies et le Tribunal pénal international comme l'élément déclencheur du génocide. Oui, tout le monde peut le dire. Mais il y a quand même, on constate que vous accusez le gouvernement belge, vous accusez le Canada, mais vous ne dites rien sur le rôle de la France. On a vu quand même des attitudes controversées des officiers français, notamment le capitaine Baril qui est venu... quel était le rôle de la France dans l'assassinat d'Abiarimana et dans la suite du génocide? La France, d'abord, la France soutenait le gouvernement du président Abiarimana. Ouais. Et c'était tout à fait normal parce que il y avait des accords de coopération militaire entre la France et le Rwanda. Mmh. Et quand moi je posais la question au colonel Luc Marchal, qui était quand même le commandant du contingent belge des Nations Unies, donc il commandait les troupes belges, mais aussi les troupes africaines de la mission des Nations Unies, quand je lui ai demandé, que pensez-vous de l'implication française dans le drame rwandais, Luc Marchal m'a répondu en disant que il a trouvé ça très normal, mais il souffre jusqu'à ce jour parce que son pays n'a pas agi de la même façon que la France. Et je le reproduis dans le livre. C'est ce que le colonel Marchal dit. Qui est belge. Et le rôle de la France, qu'on a souvent soulevé comme quoi que la France a aidé les génocidaires, c'est du n'importe quoi. Mais la France s'est excusée, ça veut dire que la France... Non, mais vous savez, ça c'est politique. La France de Nicolas Sarkozy, qui doit-on le rappeler, est une France que moi j'appelle souvent la France anglo-saxonne. Hein, parce qu'il y avait quand même une France qui ne voulait pas se mettre sous la botte des États-Unis, qui était la France de ses prédécesseurs. Mmh. Et les Français, il faut le dire aujourd'hui, ont aidé des Rwandais, alors que l'inhumanité régnait au Rwanda. Ça, c'est une réalité qu'on ne veut pas, qu'on ne soulève pas souvent. Pourquoi? Parce que la problématique du Rwanda, c'était une guerre de puissance entre les États-Unis et la France. Donc, tout ce que nous savons de la France aujourd'hui a été distillé dans des laboratoires préparés par des stratèges américains, ce qui soutenait Paul Kagame. Donc, la France a perdu la guerre de l'information. Et quand je parlais au colonel Michel Robardet de l'armée française, il m'a dit, notre mission en France, était une bonne mission, mais en termes de communication, nous étions nuls. Il dit, nous étions tellement nuls parce que nous ne pouvions pas rivaliser avec la propagande de Kagame. Est-ce que finalement, on peut dire que tout est faux dans ce qui a été dit depuis 1994 sur le génocide rwandais? Mais je pourrais dire que 99% de tout ce qui se dit est faux. C'est faux. C'est-à-dire qu'il y a trop de fausseté. D'ailleurs, pour parler du rôle de la France, il y a un document confidentiel du gouvernement américain, préparé d'ailleurs par des diplomates américains qui étaient à Paris, qui dit clairement que oui, la position des Français est semblable à la nôtre. Les Français ont mis de la pression sur le président Biarimana. Donc, parmi les pays qui ont précipité d'ailleurs, parmi les pays qui ont précipité d'ailleurs la chute du président Biarimana, il y a la France. Il faut le dire. Parce que le général Quesnot, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous avons poussé les Hutus à signer des accords intenables. Ce que nous avons fait est très mauvais. Les Français, il faut le dire, c'est que les Français eux-mêmes, les autorités politiques françaises, au fond d'elles,
étaient convaincus aussi que Kagame était du côté des bons. Donc quand les militaires leur disaient que, quand les militaires traitaient le FPR des Khmer Noirs, ils sourciaient. Ils étaient eux-mêmes victimes de la propagande, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu une terrible propagande autour de cette histoire. Quand le FPR a envahi le Rwanda, on présentait le FPR comme un mouvement de libération qui va défendre la démocratie, tout ce que vous voulez. Et en arrière-plan, il y avait quand même la propagande américaine. Il y avait ce qu'on appelle, en termes militaires, les psy-ops, c'est-à-dire psychological operations, c'est-à-dire des gens qui conditionnent votre façon de percevoir les choses. C'est ce qui s'est passé. Quand on dit que la France a soutenu aveuglement Birimana, c'est du n'importe quoi. Comme je le demande dans le livre, je le demande à tous les niveaux, même au niveau de l'approvisionnement militaire. Parce que les Français vont refuser d'approvisionner les phares en armes et en munitions. Ils ont même poussé à ce que le FPR occupe certaines localités, comme le Moutara. Ça, on le sait beaucoup, l'armée loyaliste a beaucoup souffert de cette absence d'armement. Mais on va revenir là-dessus, comme on reviendra sur la responsabilité de la France dans les massacres au Rwanda après cette petite pause. De ne pas se parer l'Afrique, ne pas se partager l'Afrique. Je leur avais dit qu'un jour viendra où sera su une histoire authentique. Je leur avais dit de ne pas tirer sur Patrice. Moi je sais qu'on ne peut plus arrêter, car le combat va toujours continuer. Et je sais que la victoire est assurée. Moi je sais qu'ils n'ont rien vu arriver. Parlons maintenant du rôle de la France dans ce génocide rwandais de 1994. Ok. Mais comme je disais, la France n'a rien à se reprocher. Les Français ont aidé les populations rwandaises qui étaient paniquées par l'avancée de l'armée de Paul Kagame. Donc, mais ils sont aussi accusés des Français d'avoir aidé le massacre de Tutsi. Non, les Français n'ont pas aidé au massacre de Tutsi, ça c'est du n'importe quoi. D'ailleurs, ce sont les Français ont sauvé beaucoup de Tutsi. La preuve en est que le général Emmanuel Habyarimana, qui était le chef, qui était le ministre de la Défense sous Paul Kagame jusqu'en 2002, a très bien dit que la France n'a rien à se reprocher, puisqu'il était lui-même sauvé par les troupes françaises. C'est très important. Mais qu'est-ce qui a créé cette brouille entre Paul Kagame et la France? Non, mais Paul Kagame, il faut quand même revenir. C'est le contexte, en fait, du conflit. Donc, je disais tantôt que la crise rwandaise, ou bien la crise des Grands Lacs, c'était quand même une guerre par procuration. Donc c'était une guerre de puissance par procuration. Paul Kagame était soutenu par les Anglo-Saxons, alors que Habyarimana était soutenu par la France. Et même pas vraiment, on ne peut même pas parler d'un grand soutien de la France, mais il était quand même appuyé par la France. Donc Paul Kagame était le bras exécutant des États-Unis, du Canada et de la Grande-Bretagne. Donc ce qu'on a vu là, c'était d'abord une guerre de l'information que les États-Unis ont livrée à la France. C'est comme je le disais tantôt. Parce que quand on dit que les Français ont participé au massacre de Tutsi, il n'y a aucune preuve. La preuve en est que je reproduis dans mon livre, par exemple, les transcrits du tribunal pénal international. Quand on a invité un témoin dénommé BTH ou AXA, a témoigné contre les Français. BTH dit, écoute, il n'y a rien contre les Français. Qu'on l'avait envoyé pour monter des histoires contre les troupes françaises, mais qu'il avait peur parce qu'il savait qu'il n'y avait pas de preuves. Mais est-ce que les troupes françaises n'ont pas aidé les officiers rwandais à quitter le pays? On sait, ils sont quand même partis avec beaucoup de matériel pour s'installer au Congo. Il y a quelque chose d'important qu'il faut relever, c'est que les populations rwandaises qui se sont retrouvées au Congo ont traversé la frontière bien avant l'arrivée des Français, bien avant l'arrivée de l'opération turquoise. Donc, les seuls
dirigeants rwandais qui se sont retrouvés au Zaïre, donc au Congo, grâce à l'armée française. Il s'agit de Théodore Sindiki Boabo et puis d'un autre dirigeant dont le nom m'échappe. Mais ce n'était pas parce que les Français voulaient les emmener là-bas. C'est parce que quand ils sont arrivés à la zone qui était contrôlée par les Français leur ont dit, vous avez 24 heures pour déguerpir parce que nous n'allons pas permettre aux troupes des phares ou aux officiers de phares de demeurer ici parce que leur mission était strictement humanitaire. Mmh. C'était une mission militaro-humanitaire. Et donc, le colonel, celui qui commandait le groupement sud de l'opération turquoise, Jacques Hogard, va appeler son compatriote, va appeler son homologue zaïrois, le colonel Opango Deke, pour lui dire, écoutez, nous avons des gens ici qui traversent et nous, on ne peut pas les arrêter. Parce qu'ils ne pouvaient pas les arrêter. La France attendait des instructions des Nations Unies. Et d'ailleurs, les télégrammes diplomatiques le montrent très bien. C'est-à-dire, même je cite ici le père Didier Fally, hein, qui était témoin avisé des événements, il dit très bien que le gros des troupes, des gros de la population, est passé aux airs bien avant l'arrivée des Français. Dans la zone où se trouvaient les Français, les gens étaient restés sur place parce que les Français demandaient aux gens de rester sur place pour ne pas engorger déjà la situation qui était dramatique au Zaïre. Oui, mais ce qui est plus important aussi dans le livre, c'est que vous affirmez, en citant des notes de services secrets rwandais et même ougandais, vous dites que les forces armées américaines ont participé au massacre Hutu rwandais au Congo. Oui, mais ça, c'est dans les notes de services secrets rwandais. C'est-à-dire comment ils l'ont fait ? Non, mais ils avaient... C'est pas mentionné dans le rapport de l'ONU qui a été publié en 2010. Bien entendu, parce que les rapports qui sont publiés par l'ONU sur les conflits africains, les experts souvent prennent soin de sélectionner ce qui doit être vendu aux Africains et ce qui doit être caché aussi aux Africains. Donc, quand le Mapping Report dit, par exemple, que les troupes de Kagame ont massacré des populations zaïres, c'est très vrai, mais seulement, on devrait dire aussi que ces troupes étaient aidées par les forces spéciales américaines. Il y avait des avions de combat américains sur place qui coordonnaient les massacres. Ces avions tués, il y a un rapport de service secret français. D'ailleurs, les Français vont se poser des questions. Ils vont se dire, mais d'où viennent ces appareils qui volent la nuit et qui sont équipés des mitrailleuses 105 mm, des gunships 105 mm. Donc, ce sont des mitrailleuses qu'on retrouve dans les avions des forces spéciales américaines. C'est-à-dire qu'aucun Rwandais, même dans le camp de Kagame, ne pouvait piloter un engin. Il faut être un expert. Et donc, les Français se sont demandé sur l'origine des mitraillages hein, qui s'opéraient la nuit. Et on sait aujourd'hui que ces appareils étaient en fait des appareils américains pilotés par des militaires américains. Et comme d'ailleurs, je le reprends dans l'une des notes, il y a Kenneth Bacon, qui était le sous-secrétaire à la Défense, qui dit qu'il voulait un siège à feu et à sang de Goma. OK, mais là, dans le même... vous accusez le Canada d'avoir participé à l'invasion du Zaïre bien en entendu. 1996. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le Canada avait des troupes là-bas? Est-ce que le Canada a envoyé des avions au Zaïre? Il faut contextualiser la chose. Quand la crise des réfugiés a commencé, la France avait demandé qu'on dépêche une force d'interposition pour freiner un peu la catastrophe humanitaire. Et donc, les États-Unis étaient contre cette force commandée par les Français. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y aura des réunions entre les responsables canadiens et américains à la Maison-Blanche et les Canadiens et les Américains vont monter une supercherie vraiment difficilement soupçonnable. Donc les Canadiens, puisqu'ils jouissent d'une image sainte, entre guillemets, les Canadiens vont dire, bon, écoutez, puisque les Américains ne veulent pas voir les Français commander la force, nous les Canadiens, nous allons commander cette force. Et donc, tout le monde sera content, parce qu'on va dire, bon, les Canadiens sont neutres, au moins eux ne sont pas impliqués dans le conflit, et eux vont commander la force. Or, le Canada roulait dans la même carrosse que son allié américain. C'était ça la supercherie. Et donc, les Canadiens vont s'arranger d'abord pour court-circuiter la mise en place effective de cette force. Et d'ailleurs, je montre d'ailleurs que les armes qui tuaient des Africains, des Congolais, les Rwandais et les Burundais à cette époque n'étaient pas seulement américaines, elles étaient aussi canadiennes. Parce que les troupes canadiennes qui vont être dépêchées sur place vont emmener avec eux leur équipement militaire.
Mais quand ils vont court-circuiter la mise en place de la force multinationale qui était censée alléger la souffrance des Rwandais, des Hutus rwandais et des Aïrois qui se trouvaient dans cette zone, quand ils vont court-circuiter cette force-là, ils vont demander à l'ONU de rapatrier les militaires qui étaient sur place. Les Canadiens vont laisser leurs armes sur place, comme en Ouganda. Comment pouvez-vous laisser des armes à un pays qui soutenait l'invasion du Zaïre, qui était impliqué dans l'invasion du Zaïre? Et le Canada a même, avait même, pour accepter d'ailleurs la mise en place, pour accepter de commander la force multinationale, le Canada va exiger que les réfugiés et les miliciens Hutus ne soient pas séparés. C'est-à-dire qu'on était prêt à massacrer des gens, à justifier la guerre. Parce que si on séparait les miliciens de la population, le Rwanda de Paul Kagame aurait eu assez de difficultés à justifier sa guerre contre des miliciens, parce qu'on aurait au moins su qu'ils sont là-bas. Parlons justement de ces miliciens-là. Vous dites également dans le livre que le génocide n'a jamais été planifié, et surtout n'a jamais été planifié par ces interahamwés que tout le monde a condamnés. Non, mais ça c'est pour moi, c'était d'ailleurs une grande découverte quand je me suis rendu compte que les interahamwés, d'ailleurs, non seulement ils n'ont pas planifié ce génocide, mais il y avait des responsables des interahamwés qui ont sauvé les Tutsis. Ça, on n'a jamais dit ça. Ce n'est pas ce qu'on nous raconte dans ce film de propagande Hôtel Rwanda. Parce que j'ai parlé à des officiers des Nations Unies qui étaient sur place ce jour-là et qui ont travaillé de commun accord avec les responsables des interahamwés pour sauver les Tutsis. D'ailleurs, dans mon livre, je reproduis en annexe la fille David du général Yatché, qui était le commandant, qui était le second du général Dallaire, qui dit clairement que sans l'aide d'un des dirigeants des interahamwés, des Tutsis qui étaient qu'on emmenait dans la zone sous contrôle de FPA auraient été tués. Ça, c'est une réalité qu'on ne dit jamais. Il est important de comprendre cela. Les miliciens, les interahamwés, c'était une organisation à la base des jeunes. Et c'est en membre fait... Membre du parti au pouvoir. Et d'ailleurs, tous les partis politiques avaient ce genre de milices. Ce n'étaient même pas des milices, c'était des groupes de jeunes, des dynamiques et tout ça, qui officiaient aux côtés des partis politiques au début. Mais qui étaient quand même prêts à en découdre. Oui, mais c'était en fait l'imminence de la guerre qui va radicaliser la plupart d'entre eux. Mais il est important de rappeler que les interahamwés même étaient infiltrés par le FPR. C'est-à-dire que quand on disait des interahamwés en train de faire des troubles, c'était des gens que Kagame avait infiltrés pour chauffer les têtes, pour que ces gens s'en prennent aux Tutsis, parce que Kagame lui-même n'a jamais eu de considération pour les Tutsis de l'intérieur qui soutenaient Kagame. Mais il y a autre chose de très grave, je crois, et il faudrait que vous apportiez vraiment un éclairage précis là-dessus. Vous dites qu'il n'y a pas eu de génocide contre les Tutsis. C'est un premier fait grave pour moi de vous l'entendre dire, et vous dites que en fait c'est contre le Hutu qu'il y a eu génocide. Oui, je sais que je serai traité de tous les noms, mais d'ailleurs je pense que ça va être la première fois que quelqu'un affirme de telles choses, mais moi je suis sûr de mon affaire, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les travaux du Tribunal pénal international du Rwanda qui le démontrent. C'est-à-dire que jusqu'à ce jour, on n'a pas été capable de prouver hors de tout doute raisonnable qu'il y a eu un génocide. Oui, et les 800 000 morts qu'on annonce. Mais est-ce que ces 800 000 morts étaient des Tutsis seulement? Parce que dans le livre, bien entendu, c'était à contre-cœur, mais je l'ai quand même fait, question de rigueur intellectuelle. On nous dit que 800 000 Tutsis ont été tués au Rwanda. Mais quand vous jetez un coup d'œil, sur les rapports de recensement de la population rwandaise à la même période, on vous dit qu'il y avait au Rwanda environ au maximum 700 000 Tutsis. Mais on vous nous dit comme ça, simplement comme ça, que 800 000 Tutsis ont été tués. Donc, bon, il y a des Tutsis, qui n'étaient pas encore nés, mais qui devaient... Oui, mais on dit qu'il y a eu des Tutsis et des Hutus modérés. Mais pour moi, les Hutus modérés n'existent pas. Ça, c'est une chose, parce que, vous savez, il y a des expressions qu'il faut quand même refuser. Est-ce que vous avez déjà entendu dire qu'il y a des Allemands modérés? Ben parce que Hitler était un Allemand, il avait tué des Juifs, il y avait des nazis. On n'a pas dit de tous les Allemands qu'ils étaient des nazis. Comment peut-on dire
d'un groupe d'Africains que c'était des modérés parce que ces gens sont considérés en partant comme des génocidaires nés. Mais ça n'a aucun sens. Et quand j'entends surtout des Africains répéter... Non, mais je précise qu'on parlait de Hutu modérés, des gens qui adhéraient à des partis politiques qui, semble-t-il, étaient proches du Front patriotique rwandais. Mais, qui... la question que moi je pose maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas des Allemands qu'il y a des Allemands modérés? Parce que les nazis, c'était des Allemands. Il n'y a pas de Hutu modéré. Non, il n'y a pas de Hutu modéré. Il y a des Hutus qui... Il y avait des Hutus extrémistes, c'est vrai, mais il y avait des Hutus qui ont sauvé des Tutsis. Et moi, d'ailleurs, dans mon livre, je montre bien que la majorité des Hutus ont sauvé des Tutsis. Parce que les Tutsis de l'intérieur et les Hutus ont souvent vécu en harmonie. C'était des mariages mixtes. C'est l'arrivée du FPR qui a changé la donne, parce que le FPR est composé des Tutsis de la diaspora, des gens qui avaient un mépris non seulement pour les Hutus, mais aussi pour les Tutsis de l'intérieur. Et dans le livre, je reproduis d'ailleurs les travaux. Il y a eu un... Est-ce que c'est peut-être ça qui a débouché à l'imposition de l'anglais aujourd'hui? Mais effectivement, parce que Kagame, puisque tous ces Hutus de la diaspora étaient en majorité des anglophones, mais Kagame n'avait rien à foutre des Tutsis de l'intérieur qui étaient francophones. Je tiens à rappeler quand même, comme je le demande dans le livre, que ces Tutsis avaient apporté leur appui au président Habyarimana pendant l'invasion du pays par le FPR. Et il faut surtout rappeler qu'il y a eu deux chercheurs américains qui ont enquêté sur cette affaire. Ils ont produit les conclusions de leurs travaux sont incroyables, c'est-à-dire c'est incontestable. Ils disent clairement qu'ils étaient partis au Rwanda avec des appréhensions, avec une idée arrêtée comme quoi qu'il y avait eu un génocide contre les Tutsis et tout ça. Mais quand ils sont arrivés au Rwanda, après avoir enquêté, après avoir consulté des documents, ils sont arrivés à la conclusion, mais l'histoire, elle est fausse. Et vous savez ce qui s'est passé? Le gouvernement rwandais les a chassés et le TPR qui collaborait avec eux a refusé de collaborer avec eux parce que leur conclusion allait à contre-courant de la version officielle. Donc moi, je le dis ici, il n'y a pas les Interahamwe. C'était une organisation qui s'est radicalisée. Et d'ailleurs, je l'explique dans le livre que ceux qui massacraient la plupart des Tutsis, c'était des Tutsis du FPR, infiltrés dans les Interahamwe. La dernière question, tout en précisant à ceux qui nous écoutent que on reviendra chaque semaine sur ce livre-là, qui est un important répertoire d'éléments historiques sur la région des Grands Lacs, surtout à cette période du génocide rwandais de Rwanda. Et s'il y en a qui ont des questions à nous poser, eh bien, ils pourront les poser aux indications qu'on va leur donner sur l'écran. Et ils pourront avoir des réponses sur toutes ces questions que nous évoquons, parce que c'est tellement profond, il n'est pas possible toujours de songer aux détails à l'instant où on parle. Mais alors, vous attribuez, Patrick Mbeko, la plupart des massacres des Tutsis à Paul Kagame. Effectivement. Alors, pourquoi aurait-il, lui, Tutsi, décidé de massacrer des Tutsis? Mais comme je disais, lui, c'est un Tutsi de l'extérieur. Il faut comprendre le contexte historique du Rwanda. Pas lui qui l'a massacré. Non, mais c'était ses hommes. Parce que dans mon livre, je montre d'ailleurs le témoignage de Rosie Biza qui dit que ceux qui tuaient, c'est nous qui tuons nos propres frères. C'est un Tutsi qui le dit. C'est un Tutsi de l'armée patriotique rwandaise qui le dit. Il y a le garde du corps de Paul Kagame. De nombreuses personnes qui ont fait défection. Oui, mais lui, il avait fait défection. Je crois qu'il est même mort. Il est mort. Mais quand vous lisez, parce que je n'ai pas seulement voulu interroger les Tutsis de l'armée de Paul Kagame qui ont fait défection. On risque de m'accuser, on risque de dire qu'ils ont fait défection. J'ai cité un rapport de Human Rights qui dit clairement qu'on a demandé à Kagame, pourquoi est-ce que vous n'arrêtez pas au moins accepter le cessez-le-feu que demande l'autre partie pour qu'on sauve les Tutsis? Il a refusé, au point que les experts, les chercheurs de Human Rights et de la Fédération internationale des droits de l'homme étaient dépassés. Et quand le général Dallaire, qui est proche de Kagame, c'est de notoriété publique, quand il dit dans son livre, je cite, il dit, quand je demandais à Kagame, vous savez que si vous déclenchez la guerre, vos propres compatriotes Tutsis de l'intérieur vont payer le lourd tribut. Kagame lui a répondu candidement que ça fait partie de la stratégie de guerre et qu'il devrait payer, c'était pour la cause, quoi. Donc, il devrait payer le lourd tribut.
En réalité, Kagame ne les a jamais supportés. La preuve en est que vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Tutsis qui vont en exil. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Tutsis qui sont, pas seulement dans son entourage, des Tutsis seulement, des simples Tutsis qui vont en exil. Beaucoup sont tués. Il y a un rapport d'un organisme rwandais basé en Belgique qui dit clairement, un rapport de 2010, je crois, qui dit que à chaque temps qu'on tue des Tutsis, on essaie de dire qu'ils sont des Hutus, alors que ce n'est pas le Kagame. C'est son service de renseignement qui fait cela pour trouver des justificatifs à s'en prendre aux Hutus. Mais écoute, ça c'est bien lancé pour la lecture de cet ouvrage de Patrick Mbeko. Le Canada dans les guerres en Afrique centrale, génocide et pillage des ressources minières du Congo par le Rwanda interposé. Nous continuerons à parler de ce livre dans les semaines qui viennent. Pour l'instant, merci à Patrick Mbeko. On va marquer une pause. Au retour, on va commenter l'actualité africaine. Pas de problème, venant. Et voici donc, après un concert inoubliable, de l'artiste Dena Moana pour la présentation officielle de son album Hosanna à Montréal. Gatia Productions vous annonce, vous tous amoureux de la bonne musique, que le DVD live du concert est disponible aux endroits suivants. Montréal, Canada. Afro Marché La Congolaise, 21-23 rue de Bleury. Épicerie La Fontaine d'Afrique, 81-92 avenue Juliette à La Salle. Boutique aux sources d'Afrique, 48-50 rue Verdun à Verdun. Église source de vie pour les nations SVN, 864 Sainte-Catherine Est, deuxième étage. Assemblée chrétienne parole vivante de Montréal, ACVPM, 6604 avenue Papineau. Jute du plateau Mont-Royal, 185 rue Sherbrooke-Est. Laval, Canada. Magasin La Grâce Divine, 213 boulevard des Laurentides. Toronto, Canada. 180 Shack Farm Drive, appartement 1106. Ottawa, Canada. 147 Grandville, appartement 2. En France, à Paris, chez Casarema. 147 boulevard Alsace-Lorraine, 93-10 Rosny-sous-Bois. En Belgique, King Express Europe, Galerie Dixel, 43-10-50 Bruxelles. Kinshasa, République démocratique du Congo, King Express, 42 avenue Tombalbaye, rond-point Kin-Mazière. À l'église Centre Missionnaire Philadelphie, référence Avenue de la Science, lycée Chaoumba. Nous parlons maintenant du Mali, du Sahel en général, mais le Mali surtout parce qu'il y a quelques semaines, nous l'avons observé, une junte militaire a pris le pouvoir au Mali en renversant le président élu Amadou Toumani Touré. Pendant ce temps, une guerre qui a été déclenchée, bon, qui se menait depuis des années, mais qui a pris de l'ampleur ces derniers mois, qui a donc finalement abouti à la partition du pays. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une zone du nord qui est occupée par des rebelles et d'autres mouvements, et puis le sud qui a un gouvernement qui a aujourd'hui du mal à trouver sa légitimité, qui a du mal à se retrouver les institutions. Qu'est-ce qui se passe donc dans cette zone du Sahel? Nous avons voulu en parler aujourd'hui avec quelqu'un qui connaît la région. C'est un témoignage qu'il nous apporte. Notre invité, donc, Raphaël Yimga. Bonjour. Bonjour. Raphaël Yimga, vous avez travaillé dans le secteur du développement rural au Niger. Au Niger, oui. Et disons plutôt dans sur l'ensemble, ou du moins une bonne partie de la bande sahélo-saharienne, à partir du Niger, dans le nord Burkina Faso, Mali. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas quand on dit développement rural? Qu'est-ce que vous faites? Oui, moi je travaillais pour le compte de certaines organisations non gouvernementales internationales, notamment allemandes et plus tard néerlandaises. Et j'ai donc passé presque 10 ans, 8 ans exactement, basé essentiellement au Niger. Mais j'avais un bon horizon
d'intervention qui allait bien au-delà des frontières du Niger. Donc au Mali. Au Mali aussi. Alors aujourd'hui au Mali, on peut dire, qu'est-ce que vous avez pu observer quand vous voyez la situation d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez pu observer quand vous étiez là-bas qui vous amène à donner un avis sur ce qui se passe aujourd'hui au Mali? Merci, mais moi j'ai plutôt... j'ai plus de questions que de réponses. Et j'ai des faits qui m'envahissent l'esprit et que je, pour répondre à votre question, que j'aimerais plutôt mettre sur la table. La réalité, donc, c'est, de mon point de vue, j'ai l'impression que le tableau jusqu'alors présenté est plutôt trop simpliste. Je ne pense pas et je m'interroge encore sur la capacité d'un groupe qu'on appelle des Touaregs, l'ARMI, à neutraliser une puissance d'État, une armée nationale, dans un contexte où, depuis presque une décennie, sinon un peu plus, on a une présence militaire à la fois américaine et française, par des moyens multiples, sont physiques, présence physique, mais aussi technologique. Donc il y a une capacité de projection de forces de renseignement, de forces militaires américaines et françaises notamment, dans ces zones-là. Et à un moment où, dans ces zones-là aussi, il y a une résurgence, on a découvert pas mal de ressources naturelles. Il y a donc des enjeux, c'est une zone à enjeux, moi je pense. Et très rapidement, donc, présenter cela comme un groupe salafiste, un mouvement de Touareg. Mais on sait qu'ils sont quand même nombreux, les mouvements qui... Ça doit piluler dans la zone. Parce qu'on parle de MNLA, les Touaregs, oui. Le mouvement national, oui, pour la libération de l'Azawad. Mais on parle aussi du mouvement en Sardine, oui, qui serait salafiste. Oui. Bon, on parle d'autres. Hier encore, on évoquait d'autres mouvements qui ont apparu et dont on ne détermine pas vraiment le... Mais ce que je sais de cette zone-là, de manière générale, c'est que il y a plutôt un foisonnement de regroupements. Il y a le mouvement social, disons ça peut, il y a des dynamiques sociales assez importantes dans ces zones-là qui prennent des contours multiples. Et donc, cette multiplicité-là ne devrait pas nous étonner parce que les demandes sociales sont extrêmement importantes, les demandes politiques sont extrêmement importantes, les demandes économiques le sont aussi. Mais au-delà, je voudrais d'abord essayer de remettre en question la thèse qui voudrait que on est en présence d'un groupe Touareg qui revendique une certaine indépendance et donc l'irruption comme ça de groupes salafistes et que ben voilà la situation, voilà le tableau. Je ne pense pas que le tableau... Donc à votre avis, les Touaregs n'ont pas la capacité de mener un mouvement rebelle qui soit capable de renverser... Je ne le dis... J'avoue que je ne suis même pas... Je pose juste des questions. Est-ce que... pourquoi aujourd'hui? Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre cela en relation avec tout ce qui est passé en Libye? Pourquoi aujourd'hui, dans un contexte où, ben voilà que la famine qui touche à peu près 12 millions d'habitants au Sahel et qui passait pour être le thème d'actualité il y a moins de deux mois est complètement relayé au second plan. Et aujourd'hui, on parle plutôt de réfugiés dans un contexte de famine. Donc moi, j'ai plus de questions que de réponses. Et moi, je suis très, très embêté, personnellement, que sur le Mali, sur la bande sahélo-saharienne, on assiste plutôt à des formes de réductionnisme, quoi. Des formes de réduction, et à la limite, on invalide le questionnement. On invalide les efforts de réflexion et de mise en commun d'une multitude d'éléments qui auraient pu amener à s'interroger sur l'hypothèse, au moins, que les choses ne soient pas aussi simples que ça. Je vais vous donner un exemple. Oui. La zone sahélo-saharienne, qui ne s'arrête pas donc au Mali, quand même connaît une présence importante d'un nouvel acteur, la Chine, depuis le Niger avec l'exploitation du pétrole. On a une présence militaire américaine, je l'ai dit tout à fait au début, les Français y sont, il y a plusieurs thèses qui circulent, donc moi je refuse de prendre à mon compte la thèse, disons, quasi officielle, qui voudrait qu'il y ait un groupe de délinquants qui ait remis en question le processus démocratique au Mali, un moment où ça ne valait pas la peine du tout. Donc, j'ai plus de questions. Alors, moi, j'ai deux questions. La première, est-ce que vous qui
avec, travailler avec les populations directement. Rural, oui. Est-ce que vous avez l'impression que ces populations-là sont sensibles aux thèses islamistes? Les thèses islamistes... Parce qu'il y a la présence des salafistes dont on a parlé au Mali, oui. Et puis il y a ACMI, Al-Qaïda au Maghreb. Boko Haram au Niger. Boko Haram au Niger. Est-ce que les populations au Nigeria sont, aussi. Au Nigeria, oui. Est-ce que ces populations sont sensibles à ces mouvements-là, à ces, à, j'allais dire, à ces idéologies qu'on véhicule, ou bien c'est des groupes qui s'imposent comme ça, qui sont, qui bénéficient de la propagande? Disons plutôt que si on était en situation de situation ouverte, de dynamique religieuse simplement, où on a un peu une multitude d'offres en termes de références religieuses, il n'y aurait pas de problème de mon point de vue. C'est-à-dire que, un peu comme dans les contextes à majorité chrétienne, on a une offre multiple. Dans différents pays, on a il y a plusieurs obédiences. Je pense qu'il faut peut-être se situer dans cette perspective-là aussi. C'est des bandes. C'est une région où la religion pratiquée, c'est l'islam. Et on a une nouvelle offre aujourd'hui, plutôt qu'on qualifie d'extrémiste, et qui n'opère pas sur un terrain où tout lui est acquis d'avance. Moi, j'ai vécu des situations où des collègues ne sont pas absolument complaisants avec des thèses qu'on qualifierait plutôt d'extrémistes. Donc, je n'ai pas l'impression que c'est... Les populations sont en situation... Que c'est des gens qui sont sur un terrain fertile. Par contre, la situation de dénuement matériel, disons, quand on parle de pauvreté de manière générale, et la récurrence des crises alimentaires dans cette bande serveuse sahélienne, donne un terrain favorable pour voir émerger des gourous qui peuvent très pour bien... Pour des manipulateurs, Alors, l'autre question, est-ce que... qu'est-ce que les populations de cette région, au Niger particulièrement, mais peut-être aussi au Mali, pensent de la cause Touareg? Est-ce que les gens en parlent? Est-ce que c'est juste quelque chose qu'on entend dans le discours politique ou avec cette guerre? Mais est-ce qu'on a l'impression que dans les populations, on en parle? Disons plutôt que c'est des sujets, comme beaucoup d'autres sur le continent, qui ne sont plus exempts d'a priori et de clichés. Il y a, sur chacun de ces sujets-là, il y a une histoire. Et parfois aussi une histoire de manipulation et de construction idéologique. Moi, je connais, j'ai travaillé avec, et dans des zones même d'ailleurs, Touareg, il faut savoir que les revendications des communautés de Touareg, émaillent l'histoire de ces dernières 50 années au moins. Et avant les indépendances, il y a eu aussi un rapport de ce groupe-là aux puissances colonisatrices. Mais moi, j'ai envie de retenir que, comme dans beaucoup d'autres pays, les puissances colonisatrices et plus tard des puissances qui ont des intérêts dans des zones ont fabriqué des profils pour certains groupes sociaux intéressants dans des batailles politiques et stratégiques. Et donc, si c'est important pour des groupes politiques occidentaux, notamment, pour les citer, de monter en épingle une menace, même hypothétique, même qu'on peut construire, je peux très bien m'imaginer que l'homme bleu du désert, le fameux homme bleu du désert, soit mis à contribution. Et là, moi, je suis vraiment certain de l'instrumentalisation. Je n'ai pas eu l'impression... au Niger ou au Mali, que le fait Touareg en soi constitue un problème. Et d'ailleurs ou alors comme dans tous les autres pays, le Cameroun, mais on peut, à l'observation, au moins provisoirement conclure que chacun de ces faits socio-anthropologiques dans leur contexte est sujet à manipulation en fonction des enjeux, en fonction des intérêts. Mais justement, quels sont les enjeux du Sahel aujourd'hui? Les enjeux du Sahel, moi j'ai bien dit, rapidement, c'est quand même des zones où potentiellement les ressources minières, même encore, actuellement découvertes, sont assez importantes.
même sur le plan géostratégique, quand même le cœur de l'Afrique. Hein, mm-hmm. Je veux dire qu'on est là quand même... Une bande qui divise l'Afrique en deux. C'est des populations qui ont une histoire de particulière avec les communautés. C'est quand même la bande de transition entre l'Afrique dite blanche et l'Afrique noire. Mm-hmm. Moi, j'ai bien envie d'imaginer que les ressources, l'histoire, les positionnements géostratégiques ne laissent pas ceux qui ont intérêt à avoir des postures particulières. C'est-à-dire les puissances occidentales, comme les États-Unis d'Amérique. Voilà, à ne pas prendre leur part. Pire, aujourd'hui, il faut quand même retenir que la construction de l'ennemi, c'est une synthèse que les géostratèges, les analystes présentent de plus en plus, l'ennemi se fabrique. Mm-hmm. Sans ennemi, certaines théories perdent leur pertinence. Mm-hmm. Et si l'ennemi aujourd'hui, c'est une certaine forme de l'islam, mm-hmm. et que la bande cellulaire sahélienne donne des ingrédients suffisants dans un contexte où les ressources naturelles sont importantes, tout cela mis ensemble peut très bien justifier. Ou alors, et en plus, si j'ajoute à cela, l'irruption ou bien l'incursion de la Chine, future grande puissance dans quelques années, mm-hmm. hein, quelques décennies ou plus, dans cette zone-là, mm-hmm. parce qu'il faut dire, la présence de la Chine, elle saute au jeu. Et dans cette zone-là, au Tchad, au Niger, au Soudan, ouais. ainsi de suite. Moi, si on mettait tous ces éléments-là, c'est un peu ça l'objet, ma ligne de lecture, il est important de ne pas éparpiller des éléments qui, autrement mis ensemble, auraient permis d'avoir toute une autre... et comprendre que ce n'est pas aussi simple que ça. Merci beaucoup, Raphaël Yunga, d'avoir accepté d'être notre invité aujourd'hui pour témoigner. Vous avez vécu, ouais. vous avez vu, et maintenant vous nous faites entendre. Alors, on va peut-être terminer par cette question sur le livre de Patrick Mbeko. Vous ne l'avez pas encore vu, mais lu, je suppose. Mais c'est un livre qui parle de la présence du Canada dans les guerres en Afrique centrale, notamment dans le cas des génocides, des pillages des ressources minières au Congo et au Rwanda. Quand vous lisez un titre comme ça, sans avoir lu le livre, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça inspire un peu le dernier point sur lequel j'ai chuté. C'est que... on est dans un monde où on a trop de vérités officielles, mm-hmm. et que moi j'appartiens à une génération qui, de manière très docile, a consommé suffisamment des vérités qui n'étaient pas préparées par elle. On peut dire des vérités occidentales. Hein. et donc moi j'appartiens à cette génération-là et je pense qu'un livre comme celui-ci participe de cet effort-là, mm-hmm. qui consiste à dire attention. Nous sommes ceux-là qui vivons notre histoire. Mm-hmm. Son analyse, sa compréhension devrait pouvoir être aussi portée par nous. Mm-hmm. Les efforts d'analyse, donc de compréhension des enjeux qui mm-hmm. nous interpellent ne devraient pas venir d'ailleurs, absolument. Donc, a priori, moi, j'ai le cœur qui bat fort quand je vois un titre comme celui-là. Merci et peut-être à une autre fois. Très bon. Merci monsieur. Merci. Là je sais qu'ils n'ont rien vu arriver. Là je sais qu'on ne peut plus arrêter. On continue avec le commentaire de l'actualité sur le continent africain. Nous allons parler maintenant de la République démocratique du Congo. C'est un pays qui a connu un bouillonnement, ou qui est en bouillonnement perpétuel d'ailleurs. On a connu les élections générales il n'y a pas longtemps, qui ont abouti à la victoire du parti au pouvoir pour les législatives et du président sortant pour la présidentielle. Joseph Kabila a donc rempilé. Mais le fait marquant de ces élections, c'est qu'il y a eu beaucoup de critiques, y compris du clergé local, des observateurs locaux et de certaines organisations internationales. Mais contrairement à ce qu'on a pu observer sur d'autres pays, il n'y a pas eu un tollé au niveau de puissance et même de cette communauté-là, il n'y a pas eu un tollé. On a laissé le président, personne n'a, comment dirais-je, remis en question l'élection de Joseph Kabila. C'est une question d'enjeu.
Je ne cesse de dire à la plupart de mes compatriotes que les élections financées par les puissances occidentales sont une arme. Mais c'est pourquoi le Congo disait avoir financé ces élections lui-même. Mais écoutez, quand le Congo prétend financer des élections par lui-même, alors qu'on sait que le pays dépend quand même en bonne partie de l'aide étrangère, c'est du n'importe quoi. On sait par exemple qu'on a dû, c'est vrai, hypothéquer comme d'habitude les richesses du pays pour financer une partie des élections, c'est vrai, mais on sait en même temps que le Congo déjà est un pays sous tutelle, il faut le dire, qui dépend quand même de l'aide étrangère. Près de 40% du budget congolais provient de l'étranger. Si donc on ne peut pas prétendre financer les élections par soi. Au niveau des puissances occidentales, qui ont souvent l'habitude de tomber dru sur un certain nombre de gouvernements qui, à leur vie, ne respectent pas les engagements au niveau démocratique, si ces gouvernements occidentaux ont laissé le Congo tranquille, après ces élections, et ça dit que le gouvernement actuel fait le jeu de ces puissances-là. Mais oui, parce que les puissances occidentales, la démocratie dont on parle, c'est la démocratie des élites. Mm-hmm. C'est-à-dire la démocratie de ceux qui tiennent à marginaliser la majorité. Là, c'est la démocratie d'un petit groupe qui tient à tout prix à contrôler la masse. C'est-à-dire, tant que ce petit groupe-là, en Occident, trouve dans l'actuel président, l'homme idéal pour maintenir en place le système d'exploitation du pays, cette démocrature va continuer à fonctionner. C'est une question d'enjeu, comme je dis. D'ailleurs, c'est une question que je traite dans mon livre. Il y a eu les puissances occidentales, on a vu quand même ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire, où on n'a pas hésité à utiliser la force, où des troupes françaises sont intervenues. On les a vues en Russie s'agiter comme des bébés gâtés, mais quand ils arrivent au Congo, où la fraude était quand même et qui était vraiment flagrante, dénoncée pratiquement par tout le monde, y compris leurs propres observateurs, mais on fait semblant de ne rien voir, ou alors de voir, mais sans pas bien voir. Et donc, on se retrouve là avec l'actuel chef de l'État qui est là. Mais est-ce que qui va maintenir en place quand même, parce qu'il est là, s'il est là. Certainement qu'il ne pourra pas beaucoup changer dans sa manière de gérer comme le pays. Gérer comme il a géré ces cinq dernières années. Mais la question que je pose, est-ce que ça peut donner raison à Étienne Tshisekedi, qui était le principal challenger du président et son parti, qui est également le principal challenger du parti au pouvoir, dans son attitude actuelle? Je rappelle que Étienne Tshisekedi et l'UDPS ont remis en cause ces élections, comme la plupart des partis, mais ils sont allés plus loin. Étienne Tshisekedi boycotte le Parlement et a demandé à ses élus députés de boycotter le Parlement. Mais là, il y a eu problème, parce que d'après ce qu'on nous a dit, 33 des 41 députés élus ont choisi d'aller siéger au Parlement, et Étienne Tshisekedi les a exclus. Okay, ouais. Alors, est-ce que quand on a décrit tout ce qui s'est passé au niveau des élections, est-ce qu'on peut lui donner raison à Tshisekedi d'avoir cette attitude-là? Moi, je peux lui donner raison en partie. En partie, mais je dis en partie pourquoi? Parce que les élections, en partant, étaient mal organisées. Ça, c'est important. Donc, M. Tshisekedi, qui est quand même un grand opposant de notre pays, a accepté de participer à un système conçu par ceux qui avaient des intérêts à permettre au Congo. La dernière fois, il avait refusé. Non, mais écoutez, il y a une chose. J'ai souvent l'habitude de dire que dans une bataille, quand on est en beau de combat, on ne laisse pas l'adversaire imposer le rythme de la bataille. Mmh. Or, Tshisekedi avait laissé ses adversaires imposer le rythme de la bataille. Et nous devons comprendre ceci quand même. Comment ça? En acceptant de jouer le jeu de ceux qui ont financé ces élections. Parce que il était clair que on n'organisait pas ces élections Pour qu'il gagne. Il faut être sérieux. Ouais, ouais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas toujours penser, et ça, les Africains doivent s'enlever ça de la tête, que les élections sont synonymes nécessairement de démocratie. Ça, c'est faux. Parce que même quand vous allez en Occident, aujourd'hui, on le voit en Occident, les élections, dans un pays comme la France, vous pensez que ces élections sont synonymes d'alternance? Non. On prend des gens qui sont issus des mêmes systèmes et qui vont s'affronter, soi-disant s'affronter, mais pour le bonheur des mêmes tireurs de ficelles, de même système. Et quand ces gens-là viennent chez vous pour vous dire alternance, mais ils se foutent de notre gueule.
Donc Tshisekedi aurait dû... Eux, ils font au moins la tendance entre les gens du même système. Mais moi, c'est comme moi, j'ai l'habitude de dire, c'est comme si on demandait aux Français de choisir entre le pouce et l'index d'une même main. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, vous choisissez entre les enfants d'un même père issus des mères différentes. Alors, mais dans le cas de Tshisekedi, je crois que sa démarche dès le départ n'était pas de participer à ces élections. Pour libérer un pays sous tutelle, on n'a pas besoin d'élections. On a besoin de préparer son peuple aux véritables enjeux. Je vais vous donner un exemple. Il faut équilibrer le rapport de force. Au moins. Au moins. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas en face des gens d'enfants de cœur. Le Congo n'est pas le seul pays à connaître ces genres de situations. On a vu en Amérique latine tout ce qui s'est passé dans les années 70, 80. On voit un peu partout comment l'Occident se comporte dans le jeu des élections. Donc, nous, on ne peut pas aller à ces élections-là dans de telles conditions parce qu'il n'y avait pas eu recensement. Donc, n'importe qui pouvait voter. En acceptant cela, Tshisekedi devrait accepter tout ce qui vient avec. Alors, Tshisekedi a donc eu tort, par exemple, de s'autoproclamer président élu ? Non, mais... Même s'il a gagné, le but des élections n'était pas de le déclarer vainqueur. C'est ça le problème. Qu'il s'autoproclame ou pas, ça ne change rien. Est-ce parce que cette action a eu un impact? Non, mais la roue de l'histoire continue de la façon dont ses concepteurs l'avaient imaginé. Oui. Est-ce que cette action a eu un impact sur la politique congolaise? Le fait qu'il soit proclamé? Pas du tout. Mais c'est ça le problème. Vous savez, les systèmes de pouvoir sont très, très bien structurés. Et ils aiment donner aux gens l'impression, ceux qui militent contre eux, hein, contre ces gens-là, on leur donne l'impression de mener le vrai combat alors qu'ils sont dans... je pourrais dire dans le noir, quoi. Ils ne sont pas dans le bon. C'est-à-dire que Tshisekedi n'avait pas besoin des élections pour s'imposer. Est-ce que Tshisekedi avait besoin des élections pour s'imposer contre Mobutu? Alors, non. Maintenant, il a demandé à ses députés, c'est la dernière question sur le Congo, de ne pas siéger au Parlement. 33 des 41 députés sont allés siéger et il les a exclus. Mais il fallait s'y attendre. Ceux qui ont conçu ce système savaient très bien que ces députés allaient siéger. Mais moi, je pose une autre question. Entre la parole de Tshisekedi et des électeurs, par exemple, laquelle choisir? Parce que c'est une question qu'il faut se poser. Supposons que moi, je suis de l'UDPS, je suis élu. Et que mes électeurs disent, nous voulons te voir au Parlement. Je suis le mot d'ordre de Tshisekedi ou de la population qui m'a choisi. Est-ce que dans le cas au Congo, on a senti qu'au niveau de la population, des électeurs, on voulait que les gens choisissent Mais quand les électeurs vont voter des gens, c'est parce qu'ils veulent que ces gens siègent. C'est ça le problème. Mais quand les dirigeants qui comprennent quand même les enjeux, qui sont censés comprendre les enjeux, acceptent de participer à un système déjà conçu et verrouillé d'avance, c'est-à-dire qu'ils mettent à mal aussi ce peuple-là. Les dirigeants doivent d'abord expliquer au peuple le degré des enjeux avant de les emmener dans ces genres d'histoire. Qu'est-ce qui va arriver à l'UDPS? Je crois que ce parti tend à sa dislocation. Surtout quand je constate que la relève... Il y a eu une dislocation. Hein? Oui. Surtout quand je constate que la relève n'est pas assurée. Si Tshisekedi meurt aujourd'hui, c'est fini. Et c'est ça le problème des partis politiques en Afrique. C'est-à-dire que les partis sont comme des orchestres. Si le chef d'orchestre meurt ou le propriétaire meurt, c'est fini. Or, un parti est censé être une institution. C'est-à-dire que même si le chef n'est pas là, voilà. Il y a un mécanisme en place. Parce que c'est l'idéal qu'il faut inculquer aux gens et non le culte d'une personne. Voilà, donc on va marquer une autre pause à la suite. Au retour, on parlera de Charles Taylor qui a été reconnu coupable de crimes de guerre, d'autres choses, de nombreuses choses, au la Cour pénale internationale de l'AE. Le complot était déjà fait. Les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. Là, je sais qu'ils n'ont rien vu arriver. Là, je sais qu'on ne peut plus arrêter. Le combat va toujours continuer. Je sais que la victoire est assurée. Je leur avais dit de ne pas se parer l'Afrique, ne pas se partager l'Afrique. Je leur avais dit qu'un jour viendra où sera sur l'histoire authentique. Je leur avais dit de ne pas tirer sur Patrice et Meryl Lumumba, car il reviendra.
sera plus fort et plus froid. Quand la génération Ingeta se lèvera, plus rien ne les arrêtera. Moi, je leur avais dit de ne pas laisser mon Boutou, trois décennies au pouvoir, et le pays dans un trou. Il a fini sa vie au Maroc. Mais à ton âme, Seigneur, c'est seco. Je leur avais dit de nous laisser notre identité, de ne pas essayer de nous dénaturaliser. Je leur avais dit qu'une génération s'élèvera. Ingeta, on s'en souviendra, les combattants sont là. Ingeta, in my heart. Moi je sais qu'ils n'ont rien vu arriver. Moi je sais qu'on ne peut plus arrêter. Car le combat va toujours continuer. Et je sais que la victoire est assurée. Moi je sais qu'ils n'ont rien vu arriver. Moi je sais qu'on ne peut plus arrêter. Car le combat va toujours continuer. Et je sais que la victoire est assurée. Je leur avais dit, oui, je l'ai dit, à ces musiciens mafieux, vampireux, de ne pas détruire nos mœurs. J'avais prévenu le croyant classique de ne pas vite quitter l'église catholique. Elle rejoindra le combat, Ingeta, car certains évangéliques n'ont pas compris le temps prophétique. Je leur avais dit que le Congo, c'est 4 fois la France, 33 fois le Benelux, 80 fois la Belgique. Dites-moi que fera le Rwanda. Ingeta, je leur ai dit, et on s'en souviendra. Aujourd'hui, les métropoles du monde eurent embouté, combattants affamés, assoiffés de liberté, collabos encerclés et moutakalisés. Et maintenant, dites-moi, 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 êtes-vous fiers de nous avoir créés, Ingeta? Moi je sais qu'on ne peut plus arrêter. Car le combat va toujours continuer. Et je sais que la victoire est assurée. Moi je sais qu'ils n'ont rien vu arriver. Moi je sais qu'on ne peut plus arrêter. Car le combat va toujours continuer. Et je sais que la victoire est assurée. Je leur avais dit que l'armée des Kalongo, les terriens attendaient. Face à l'armée des intellos, combattants comprennent. Je leur avais dit que les frères en Amérique, après 400 ans merdiques, à travailler sans être payés, une nuit a suffi à un combattant king pour faire un rêve de king dont l'histoire se souviendra. Je les avais prévus. Je leur avais dit de ne pas être mauvais, ne pas démocratiser, ni nous coloniser. Car dans le miroir de l'histoire, les combattants ont pu voir ce qu'ils ne veulent plus revoir. Ingeta, Ingeta, la patrie ou le couloir, le choix est clair, nous le voyons net comme la source de la victoire. Nous ne voulons pas de la prière sans action, nous ne voulons pas des actions non plus sans la prière. Ingeta, 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 le Congo nous appartient. Jusqu'à quand le silence, le Congo est à nous. Jusqu'à quand le silence, le Congo de nos pères, le Congo de nos aïeux, le Congo de nos enfants. Le Congo c'est l'héritage que l'Éternel nous a donné. Qui est celui qui a corrompu Dieu pour qu'il nous donne le Congo du haut des cieux? Qui est celui qui a payé Dieu pour le corrompre afin de nous donner le Congo? Ingeta, Ingeta. Il paraît que le chef de la police cherche à savoir qui est le chef des combattants. Tu sais c'est qui? Bien sûr, c'est Monsieur Ingeta. Chastelo, qui est donc condamné par la Cour pénale internationale pour des crimes de guerre en Sierra Leone, comment lui, président du Libéria, se retrouve dans cette guerre-là? Mais c'est le comble quand même avec la justice internationale. C'est-à-dire, Charles Taylor se retrouve là, il y a le président Gbagbo aussi qui se retrouve aujourd'hui là-bas, il y a Al-Bashir qui a un mandat d'arrêt qui pend sur sa tête, qui est menacé d'arrestation. Ça montre quand même que la justice internationale, peu importe ce qu'on peut dire sur nos chefs d'État, et c'est une justice de vainqueurs. C'est une justice qui sert des intérêts. Et moi, d'ailleurs, dans mon livre, j'aborde un peu la question de la justice internationale et je démontre comment... Mais pourquoi Charles Taylor se retrouve là-dedans? Non, mais... Je dis ceci. Il faut contextualiser les choses. Oui. Si on arrête Charles Taylor,
on doit arrêter aussi ceux qui l'ont soutenu. Mais pourquoi? Parce d'abord, que je tiens à rappeler, oui, ici qu'il y a un Congolais qui est arrêté à la Cour pénale internationale pour avoir soi-disant accepté d'aider une armée régulière en Centrafrique. Je parle ici de Jean-Pierre Bemba. Oui. Donc maintenant, on arrête Charles Taylor, mais on semble ignorer qu'il a travaillé pour la CIA, qu'il était sous les ordres des États-Unis. Est-ce que c'est les États-Unis? Donc, il n'y a aucune logique. Parce c'est une logique, oui, qui alors, échappe à toute règle de logique. Oui, alors, lui, il est accusé d'avoir mené toutes ces actions-là pour du diamant. Parce, oui, que c'est le diamant. C'est, et Charles Taylor ne vendait pas ses diamants à ses enfants soldats. Il vendait ses diamants à des compagnies minières occidentales. Mais c'est des compagnies privées. Ça ne change rien. Ça n'a aucun lien avec le gouvernement. Non, mais ça ne change rien. C'est-à-dire que les compagnies occidentales qui fonctionnaient là-bas étaient en lien permanent avec leur gouvernement. Ça a toujours fonctionné comme mais ça. Alors, si... Bon, quand on dit que Charles Taylor était quand même travaillait avec la CIA, on doit quand même chercher à comprendre qui étaient quand même ceux qui le soutenaient. Parce que Charles Taylor n'achetait pas des armes chez des vendeurs d'arachides. Est-ce que Charles Taylor, lui, il a pu dire, bah, écoutez, pourquoi on m'accuse alors que je travaille avec des gens? Non, mais tous les chefs d'État le disent. Vous savez, le procès de Milosevic, hein, le procès de Milosevic, c'était pareil au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. C'est-à-dire, quand on condamne des chefs d'État comme ça, on ne cherche pas à aller au fond des choses. Mais pourquoi on survole... Taylor lui-même n'évoque pas des noms? Non, mais, gens... mais même s'il les évoquait, c'est sûr qu'il les a évoqués. Moi, je n'ai pas toutes les pièces du procès, donc je ne peux pas m'avancer à aller je ne peux pas m'avancer là-dessus. Parce que les médias ont parlé de Blaise Compaoré. Les médias ont parlé de ce qui est utile au pouvoir. Les médias ne sont pas là pour nous dire, par exemple, que Milosevic avait demandé à faire témoigner Bill Clinton ou Jacques Chirac. C'est la même chose. Est-ce que les médias vont accepter quand le président Gbagbo va dire qu'on veut voir Sarkozy ou les autres, Obama, témoigner là-bas à titre de, au moins de témoin dans son procès? Vous pensez qu'ils vont le faire? Ils ne vont pas le faire. Mais... Ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est de nous dire, c'est de dire aux gens ce qui est utile au pouvoir. C'est aussi simple que ça. Alors, dernièrement, c'était Thomas Lubanga. Oui. Aujourd'hui, donc, c'est Charles Taylor. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut présager pour... Ils vont continuer à arrêter tous ces chefs d'État africains, tous ces Africains qui ne sont plus utiles au système ou qui sont dérangeants pour le système. Donc, la seule manière pour les Africains, au moins pour se maintenir quand même un semblant de dignité, c'est de se retirer de ces traités qui ne servent qu'à les emprisonner dans un système. Alors, donc, la masse d'Africains qui est aujourd'hui optimiste, qui organise des manifestations pour Laurent Gbagbo, qui pense, certains disent, oui, il va être relâché. Il ne va pas être relâché parce qu'à la Cour pénale internationale, ce sont des procès politiques. Je tiens à dire ici que dans le cas, par exemple, de Thomas Lubanga, on sait, il y a des preuves comme quoi que le bureau du procureur avait engagé des enfants, des fausses victimes, pour valider la thèse développée par la poursuite. Dans un système de justice normal comme ici au Canada, le juge allait ajourner le... fin au procès. Mais est-ce que l'armée de Thomas Lubanga n'a pas tué des gens? Est-ce qu'elle n'a pas employé... Le problème n'est pas... Écoutez, si on commence à avoir une justice sélective avec des événements sélectifs, on n'avancera jamais. Donc demain, quand on va arrêter Paul Kagame, par exemple, on va dire que Paul Kagame avait atterri comme ça, il a commencé à tuer des gens. On ne dira pas, pourquoi on ne va pas appeler ses maîtres, ses commanditaires? C'est là le problème de la justice internationale. C'est-à-dire que les patrons, ceux qui commanditent des massacres de masse par leurs pantins interposés, peuvent rester là dans leur salon, siroter leur champagne, fumer leurs cigares pendant que les Africains sont assassinés. Le cas du président Gbagbo est flagrant. Le cas de Thomas Lubanga, je ne défends pas Thomas Lubanga, mais je dis simplement que ce sont des cas qui sont flagrants parce que quand vous suivez ces procès, vous vous rendez compte de la bêtise judiciaire qui se passe là-bas. Vous vous rendez compte de la mafia qui a lieu dans ce tribunal. Et je tiens à rappeler ici, puisque je parle de lui dans mon livre, que le procureur Ocampo est très lié à des intérêts américains. Ça, les gens semblent l'oublier. Il a travaillé pour Transparency International qui est lié au service américain. Mais il s'en va Ocampo, c'est une Africaine. Mais même si l'Africaine arrive, pour être là, cette Africaine a eu le cerveau lavé. Excusez-moi de le dire, mais c'est ça. Tu n'arrives pas là comme ça parce que tu es bon. Tu arrives là parce que tu as intériorisé une certaine manière de voir et d'appliquer les choses. Merci Patrick Beko. Je rappelle que nous avons en première partie parlé de votre livre Le Canada dans les génocides, Le Canada dans les guerres en Afrique centrale, et le livre s'étend notamment sur le cas du Congo.
des Grands Lacs. La région des Grands Lacs. Nous allons en parler à chaque occasion qu'on va se retrouver. Et donc, je rappelle à ceux qui nous écoutent que vous pouvez nous écrire sur les recommandations du message que vous allez voir sur votre écran. Vous nous contactez. Et puis, si vous avez des questions par rapport à ce que vous avez entendu aujourd'hui, eh bien, on sera bien aise de trouver des personnes pour répondre à ces questions. Il n'y aura pas de souci. Et vous mettre à l'aise, vous aussi. Donc, merci d'être avec nous. Merci de rester toujours avec nous. Au revoir.